en 20 tableaux, voulu aller chercher les 1000 ans qui se sont écoulés, l'inspiration de la cathédrale, la nef, la forêt, les arbres, et puis nous projeter 1000 ans au-delà de nous, c'est-à-dire en 3015, et voir comment la cathédrale nous accompagnera dans un avenir qui est plus qu'incertain. On est ici à la croisée des chemins et on a voulu travailler sur ces deux façades. La façade sud, très épique, très narrative, et la façade ouest, à contrario, totalement contemplative, où on a proposé aux spectateurs de rentrer en dialogue avec la cathédrale et de comprendre cette architecture d'une grande complexité et de la montrer comme on ne la voit jamais. C'est vraiment magnifique, c'est une expérience très différente. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. On vient d'Argentine, donc c'est très magnifique comme ça. Et quand nous étions en train d'arriver, je lui ai dit « Oh, la lumière s'est coupée, qu'est-ce qu'il passe ?» Et tout de suite, j'écoutais la musique, j'ai vu toute la lumière et tous les chants étaient une expérience incroyable pour moi.